Cześć! Zapraszamy Cię na bezpłatną lekcję, z której dowiesz się, jak otworzyć swoją pracownię malarską. W tej pracowni poznasz Arno Sterna, który prowadził swoją pracownię malarską Malort przez ponad 70 lat. Dziś na całym świecie działa blisko 2000 takich pracowni. Pierwsze z nich pojawiły się także w Polsce. Un jour, on m'a demandé ce que je fais, ce que je suis. Si je suis médecin, non, je ne suis pas médecin. Si je suis professeur, non, je ne suis pas professeur. Si je suis artiste, non plus. Si je suis un chercheur, je dis non, je ne suis pas un chercheur, je suis un trouveur. Et c'était tout à fait vrai. Je ne cherchais pas. Je suis Arno Stern, je suis né en Allemagne, à Kassel. Et quand j'ai eu 9 ans, en 1933, et puis la guerre étant finie, nous avons été rapatriés, nous sommes revenus en France, une France qui a été pillée par l'occupation. Et puis on m'a proposé un travail dans un orphelinat. Il fallait improviser, il fallait trouver. Et qu'est-ce que j'ai pu utiliser? Il n'y avait rien. Des bouts de crayon que j'ai trouvé, du papier de récupération. J'ai fait dessiner les enfants. Et ça, ça a été pour moi un éblouissement. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai donné de la peinture aux enfants et ça, ça a été alors délirant. Ils ont fait des tableaux de plus en plus grands. Bien. Et puis un jour, un enfant m'a dit, il faudrait faire un tableau plus grand. Ah, comment faire ? J'ai dit, il n'y a qu'un moyen, je vais afficher la feuille sur le mur. D'où venaient ces enfants? Ils étaient parisiens, mais ils avaient des origines variées. Les uns venaient d'Italie, d'autres venaient des États-Unis, d'autres venaient d'Allemagne, d'autres venaient d'Espagne ou de Suède. Et j'ai constaté d'abord que tous les enfants font les mêmes choses et de la même manière. Ça, c'était le premier constat. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działają pracownie malarskie Malort, jak taką pracownię uruchomić i prowadzić, jak prowadzić zajęcia z dziećmi, jak na tym zarabiać i co zabawa malarska może dać dzieciom, zapraszamy Cię na tę bezpłatną lekcję. Wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić formularz poniżej. Od razu po wypełnieniu formularza otrzymasz dostęp do lekcji. Le jeu de peindre n'est pas une aventure unique. C'est quelque chose que l'on pratique régulièrement. Heureusement d'ailleurs.